monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer les fichiers de GTA 4, donc des véhicules, donc les points WFT ou WTL, je sais plus exactement le nom. Et pour pouvoir ensuite les ouvrir dans Z Mode Layer 2, puis pouvoir par la suite les convertir pour Z Mode Layer 3 et ensuite les convertir pour un mode pour GTA 5. Donc je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment les convertir, mais simplement comment le débloquer. Donc j'ai pas vu beaucoup de tutos, même quasiment aucun sur le net, à part sur quelques forums en anglais qui montraient comment le faire, donc je vais décider de le faire en vidéo. Donc par exemple je vais vous montrer dans l'exemple avec cette voiture, donc la Ford Fiesta de Ken Block. Donc elle est verrouillée, donc je vais vous prouver tout de suite que je ne peux pas l'ouvrir. Donc dans Z Mode Layer 2, je vais dans File puis Import. Et je vais la choisir. Donc bureau, voilà. Voiture, payote, et vous voyez ici il est écrit que ce fichier est verrouillé et qu'on ne peut pas l'importer. Donc pour régler le problème, donc je vais réduire ça, vous aurez besoin de 4 choses que je vous mettrai bien sûr dans la description. Donc sauf un seul, c'est le Autodesk. Je vous mettrai peut-être juste le Torrent, mais qui est là. Enfin ouais, Autodesk 3D Mark. Je vous mettrai juste le lien du torrent, après vous démerdez avec, il y aura les instructions du crack dedans, moi je vais pas faire de tutoriel parce que sinon je risque de perdre mon partenariat. Donc ça sera à faire. Donc vous installerez d'abord 3D Max en premier. Ensuite vous installez 3D Reaper. Donc je vous mettrai aussi le setup en description. Donc celui-là, pendant l'installation, vous allez bien cocher qu'il vous faut le plugin pour Autodesk 3D Max pour pouvoir ouvrir ensuite le fichier converti. Donc en gros le logiciel ça ressemble à ça quoi. Donc pendant l'installation vous allez bien cocher. Je vais vous montrer d'ailleurs comment le faire tout de suite. Donc téléchargement. Je vais ouvrir 3D Reaper, voilà. Suivant. Là je fais je comprends. Suivant. Suivant. Et là, vous allez faire. Puisque moi je vous donnerai celui de 3D Max 10 2010. Vous avez bien coché les deux là pour être bien sûr, en vérifiant bien que c'est là où vous l'avez installé. Puis vous ferez suivant et ensuite pendant l'installation, ils vont vous l'installer. Une fois que ça sera fait, vous devrez aller donc dans votre disque là où vous l'avez installé. Donc moi, il est là-dedans, Program File, 3D Max. Vous allez dans Plugin et vous allez copier ce fichier là. Puis vous allez dans votre disque local C, qui est là, voilà, dans Programme. Puis dans Autodesk 3D Max 2010 et vous allez ensuite chercher plugin, puis vous allez le coller s'il n'y a pas. Ensuite vous pouvez fermer, on s'en occupera plus. Donc ensuite vous allez créer un dossier sur votre bureau, vous allez mettre le fichier .wft et le fichier WTD, donc le texture plus le modèle 3D que vous voulez débloquer. Donc c'est bien celui que je vous ai montré avant qui ne s'ouvrait pas. Vous allez ensuite mettre le fichier que je vous mettrai en téléchargement qui est GTA 4.exe. Ça sera simplement pour faire croire à OpenCAD que vous avez le jeu, mais en fait non. Le temp, vous ne l'aurez pas, il se créera par la suite tout seul. Donc, on va commencer tout de suite en ouvrant 3D Reaper. Donc, simplement, vous l'ouvrez. Vous allez cliquer ici. Puis, vous allez aller sur votre bureau. Ou alors, là où vous avez mis le fichier de OpenCAD téléchargé. Vous allez chercher, il est là, OpenCAD 0.9.2. Vous allez cliquer sur OpenCAD.exe, puis ouvrir. Maintenant, vous avez bien coché Capture All Texture. Vous avez bien vérifié que c'est bien F12 chez vous. Là, vous ne touchez rien. Vous faites Launch. Là, vous choisissez GTA 4. Donc, la première fois, ils vont vous demander d'indiquer où se trouve le jeu. Vous allez simplement parcourir et indiquer juste le dossier voiture sans l'ouvrir. Donc, enfin, moi, je l'appelais voiture, vous l'appellerez comme vous voulez. Vous allez simplement l'indiquer puis faire suivant. Et ensuite, ils vont retrouver GTA 5. Donc moi, je vais juste supprimer les deux trucs qui s'appellent Focus. Oui, il faut activer bien le mode Editor. Et ensuite, vous allez ouvrir le fichier qui est verrouillé. Donc bien sûr, il faut l'avoir mis dedans. S'il n'y est pas, vous allez faire simplement plus et vous allez l'ajouter. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc là, vous vérifiez bien qu'il y a écrit Ready to Capture. S'il n'y a pas écrit ça, vous allez tout fermer, puis réouvrir 3D Reaper, puis réessayer. Donc vous n'allez rien toucher ici, vous allez simplement appuyer sur F12. Voilà, donc dès que c'est fini, vous allez pouvoir le fermer. Donc il y aura un petit truc qui va apparaître et qui va disparaître. Vous allez fermer. Vous pouvez fermer aussi OpenCAD. Et maintenant, on va ouvrir de nouveau Z Mode Layer 2. Merde, pas Z Mode Layer 2. Autodesk 3DS. Vous allez l'ouvrir.
Et puis d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite où sont allés les fichiers. Donc dans vos documents, vous aurez un truc qui s'appellera frame avec le fichier .3DR. Donc faut bien que vous ayez coché et mis le plugin pendant l'installation de 3D Reaper pour pouvoir ouvrir le .3DR avec 3DS. Et dans texture, vous avez toutes les textures en .DDS. Donc ça, on va le mettre en réduit. On va juste attendre que le logiciel se lance. Donc il est un petit peu long à se lancer parce qu'il cherche tous les plugins et tout. Erreur. Non. D'accord, il a réussi à planter. Bon, je vais essayer de l'ouvrir. Bon, je coupe la vidéo et puis je reprends tout de suite après dès qu'il s'est ouvert. Bon, pour éviter ce genre de conneries, exécutez bien le programme en tant qu'administrateur sans enregistreur à l'avance, parce que moi il n'y avait pas en fait Action qui enregistrait en même temps que j'ouvrais le logiciel. Enfin bref, donc maintenant qu'on est dedans, vous allez faire Open Files. Vous allez choisir là en haut vos documents. Donc tac, documents. Vous allez aller dans 3D Reaper DX, puis dans Frame. Et là, vous allez bien mettre All Files. Vous allez choisir le fichier. Ben, normalement, il n'y en aura qu'un seul, sauf si vous en avez fait plusieurs, des captures. Vous allez faire Ouvrir. Maintenant, vous allez attendre. Donc là, maintenant, vous allez recommander de value. Vous allez cliquer dessus et mettre le seul truc qui apparaît. Puis vous allez faire OK. Maintenant, vous attendez la barre de chargement qui est très rapide. Et ensuite, vous arrivez donc ici et vous avez bien votre voiture. Maintenant, vous allez simplement dézoomer ici pour l'avoir en entière, un peu partout. Voilà. Tac, tac, tac. Et vous allez sélectionner toute la voiture si elle n'est pas droite. Vous allez faire clic droit et rotate. Maintenant, vous allez prendre le cercle blanc et vous allez simplement la tourner pour qu'elle soit à peu près droite à vue d'œil. Voilà. Là, pareil. Ensuite, vous allez faire move. Et vous allez la poser sur les lignes bleues, noires. Voilà, donc là pareil. Là, vous vérifiez bien qu'elle soit bien au milieu. Là aussi, au milieu de la ligne. Ensuite, ici, ben, c'est tout bon. Donc, vous avez bien, une fois que tout est fini, vous avez bien veillé à tout sélectionner. Vous allez ensuite cliquer là-dessus, sur le petit carré, vert. Et vous allez faire Export. Vous allez choisir 3DS. Studio, donc .3DS, et vous allez l'appeler voiture. Donc moi je vais appeler hop, voiture. Voilà, vous allez faire enregistrer. Non, on va la mettre sur le bureau, ce sera plus simple. Enregistrer, putain. Ah oui, c'est vrai que j'ai un document qui s'appelle un dossier qui s'appelle voiture. Moi je vais l'appeler hop car. Voilà, enregistrer. Vous allez faire OK à ce petit message. En tant que j'ai reçu bien qu'elle soit bien là, voilà. Donc là, vous allez pouvoir fermer 3DS Max. Vous faites non. Voilà. Une fois qu'il est fermé, vous avez votre voiture ici. Vous allez faire CTRL X pour le couper. Puis vous allez de nouveau dans votre dossier 3D Reaper. Puis vous allez ouvrir Texture. Dans Texture, vous allez faire CTRL V. Puis le fichier va se mettre ici. Vous allez maintenant retourner dans Z Modeler. Et le fichier sera débloqué. Vous allez faire hop, Import. Vous allez choisir car.3ds et vous allez faire import. Voilà, donc maintenant, comme par magie, la voiture est dans le logiciel. Donc je sais pas vraiment tous les mouvements possibles, voilà comme ça. Donc la voiture est dans le logiciel, toutes les textures y sont. Il manque vraiment rien du tout. Vous avez vraiment tous les détails. Vous avez, bon, il manque quelques trucs en bas, mais je sais pas exactement ce que c'est, je ne me connais pas forcément bien. Vous avez vraiment toutes les parties qui sont ici. Toute la voiture complète et vous allez vraiment pouvoir l'enregistrer comme vous voulez. Le fichier est totalement débloqué. Vous allez pouvoir l'exporter pour GTA 4 pour pouvoir le modifier ou alors pour GTA 5. Si jamais j'apprends comment faire pour modifier, enfin pour importer un véhicule de GTA 4 dans GTA 5, je ferai une vidéo dessus, ça c'est certain. Sauf si c'est vraiment un truc qui dure à 3 plombes. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc voilà, après vous allez pouvoir supprimer tout ça si vous ne le voulez plus. Donc je récapitule, donc il vous faut 3D Reaper, bien cette version de OpenCart impérativement, pas la dernière, parce qu'avec la dernière ça ne fonctionne pas. Autodesk, le fichier et GTA 5.exe. Et après il vous suffira juste de suivre la vidéo. Donc dans la description je vous mettrai le torrent, GTA 4.exe, OpenCart. Et le setup de 3D Reaper. Si jamais il vous demande un mot de passe pour 3D Reaper, vous tapez juste Reaper, R-I-2-P-E-R. Donc parce que sur un des deux setups, il demande justement un code. Celui-là, il se lance, mais celui-là, vous voyez, je sais pas quel c'est que je mettrai encore. Quand je fais install, il demande un mot de passe. Et ça sera Reaper. Voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle en aidera pas mal parce que les fichiers bloqués ils sont quasiment... Enfin il y a quasiment que ça sur le net, il n'y a pas vraiment beaucoup de fichiers débloqués. Donc grâce à ça vous avez vraiment tous les fichiers de GTA, tous les mods de tous les véhicules du site, que ce soit moto, voiture, bateau, avion, tout. Vous allez pouvoir les débloquer puis les modder. Donc voilà, là, cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager ma chaîne, à vous abonner et à partager la vidéo. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao. Until you talk like it's your birthday.